Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. Peuple, parti de la majesté, il est baisse. Chères combattantes et combattants, nous pouvons reprendre nos places. Sans plus tarder, nous passons. D'où on devait maintenant commencer à sélectionner celui qui remplit le plus grand nombre de sièges. C'est celui-là qu'on va prendre en première. Et les restes, soit celui qui vient après, quel que soit le nombre des... Pas de problème. Quel que soit le nombre... Quel que soit le nombre de voix qu'il a récolté, va tomber. Tongiato Lobavoué. Merci, Prince. Tongiato Lobavoué. La loi électorale actuelle est un système proportionnel. Le système proportionnel est clair. Je crois que Batounion se va l'en dire un mot déjà. Est que dans une liste, il y a parti politique, on ne pouvait pas prendre des membres qui viennent en tête. Soit le premier. Et les seconds, on le prend ou soit on le valide directement. Nous, ce qu'on devait faire maintenant, bon, en fait, en s'inspirant de cette loi, on n'a pas voulu tomber dans le même erreur il y a 2018. En 2018, vous savez, le parti qui était avec nous à l'époque, ce qui avait raflé la majorité, le PPRD, le FCC, avait compris bien avant, l'importance de cette loi. Et ils se sont préparés en conséquence. Alors cette fois-ci, nous aussi on a fait une bonne lecture, on a dit on ne va pas passer comme ça, on ne va pas. Comme nous avons besoin plutôt de la majorité accordée au chef de l'État, on doit s'organiser en tant que des mouvements et des associations au sein de l'UDPS pour s'éclater à, disons, dans des parties mosaïques. C'est ce qui est l'importance de notre association. Et nous sommes préparés dans ce sens-là pour faire appel à tous les mouvements. Onion Saza Mouvement, Onion Saza Association. Celui qui se reconnaît de l'UDPS peut nous rejoindre dans ce sens-là. Potom est un peu composé, locaux et puis sa majorité. On ne dit pas que Bisson est européen sa majorité. Mais notre part de contribution dans ce que nous aurons à gagner dans l'ensemble est l'UDPS. Et ce que nous aurons à donner, ça va donner une majorité confortable au président de la République. Donc c'est ça. Au-delà de cela, c'est ça d'abord l'objectif principal, c'est d'élire le président et de conserver le pouvoir comme c'est nous qui sommes les tenants du pouvoir. Donc je crois que brièvement, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce qui est le bien fondé de notre organisation et
de notre association. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chez Makouya, mais quand vous avez une perception pour voir en tant que responsable de la structure, pour toi, il y a pour s'organiser. Donc, la canisse qui nous dit au Sazawa, alors, c'est comme ça que Bissot, depuis très longtemps, vous comprenez que IDPS et le réseau, mais quand vous divisez Bissot, et ça, juste du fait que tout ça, pour vous mettez ça, ma confiance. Donc, à tout le temps, tout s'affaiblir, ming. Et ce côté aujourd'hui, décision président Azui, il y a beaucoup de gens qui ont leader communautaire, c'est plus que Bissot, tout ça, à mon côté. Tu vas rassurer exactement président qui depuis à la fin majorité on a dit tout ça quand on tourne au fil là ou à lobby tout ça tourner tout autour de nous-mêmes. C'est pour cela Bissot majeur nous nous sommes dit sans trop tard la gare la mise que ou à lobby là chaque fois président en a marre. Il y a en attendant, les autres vont s'organiser pour pas avancer. Donc, c'est là où nous puissions comprendre que les arts, danger pour que les gens soient partis, danger pour que les gens du fait que, avec tous ces gens ici, les leaders communautaires, sont autour de l'année là, ils ne sont pas sur le ticket de l'amour, ils ont vraiment bouqué et tout le monde a coupé ça, la majorité ont toujours le battu. Donc c'est comme ça que nous sommes dit, tout le monde est fan d'ensemble, tout réfléchir, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le mouvement, pour te dire effectivement qu'est-ce que nous devons faire. Donc, tout notre chose, c'est d'aider notre parti IDPS pour Amekabouzon à l'Andiela, donc par rapport à l'organisation, on ne soucie plus qu'on perd sa majorité, la chef de l'État. Donc c'est Mingi. Les pourquoi il y a présence dans le Aou. Donc, tu as déjà avec ma démarche, voilà, parce que partout, beaucoup de gens vont te expliquer, voilà, ils sont totalement partis, et surtout que, ici, va réussir Bissot avec ma politique, ma autorité à partir, à diviser Bissot. Nous sommes devant les élections. Nous ne pouvons pas, tout le monde, nous avons la opportunité au bas pessimisme que qu'est-ce que nous devons faire à notre tour et savoir comment donner cette majorité à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous avons tenu à faire au président nous soit représentant de sa structure le mouvement a ça déjà responsable. Donc nous avons tenu à raison sur le fait déjà que nous avons ça la pour tout déjà qu'est-ce que nous devons faire. Il y a au PSA majorité pour te assurer à venir et à partir lobby. Sinon, il vous allez trop compliqué avec les leaders communautaires. Au milieu de ce donc, il faut tout mettre pour ça, la sorte que vous créez les leaders, au PSA, on va moyen. Et puis, toi, bah, déjà, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre parti lobby a retrouvé ma sens là, Yakal. Je vous dis, je vous remercie. Ce qui les lots sangani awa, c'est parce que tous ont le même esprit, tous ont la bolingoya IDPS. Le fait que vous avez abandonné vos charges, boye awa, ils ont été parce que baro badali bosso na bino ba simi ba micro ba leki bino. Non, fondement la bise zali l'amour de notre cher parti. Héritage Oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba a tiqué la biso. Et nous devons protéger notre parti. Et l'objectif est d'aller à pérenniser le pouvoir Oyo tous en Angou. Même plus de 100 ans, nous pouvons le faire si nous sommes bien organisés. Yango Balobaka. Nous avons dit que nous avons dit
Si Mokolo Yesu Masi a Kozunga, il te pèse et Kouti Kalarakaka. C'est pourquoi il faut te défendre intérêt à Idopes Bisikanios Oyo Tuzali. Voilà pourquoi Tuzali directement toucher le deuxième point qui est la lecture du mémorandum. Bakotan la bisona membre moko ya commission ya PAJ. Ils ont donné de leur temps aussi. Bien que nous les avons soutenus de loin. Mais est-ce que tu veux que tu es là? Nous invitons Maître Cédric. À la meilleure intention de la haute autorité de référence. Mémorandum de jeunes de mouvements associatifs de l'UDPS à l'intention de la hiérarchie du parti. Nous, représentants de jeunes de mouvements associatifs, membres de l'UDPS Tshisekedi, ayant l'idéologie du parti chevillée dans l'âme depuis notre prime enfance, conscients des sacrifices consentis par le père fondateur du parti qui, au péril de leur vie, ont attravé la dictature en vue de permettre aux générations futures de vivre dans la liberté sous la dispensation de l'état de droit. Témoins des difficultés rencontrées, des obstacles surmontés et des efforts surhumains déployés et concouru pour conquérir le pouvoir pendant près de 40 ans. Réalisant que les aspirations populaires portées par l'UDPS, 4 décennies durant, ne peuvent être rencontrées de manière optimale qu'en maintenant l'impérium dans le sillage de l'UDPS. Pleinement assuré par le leadership de l'autorité de référence du parti, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de l'héritier testamentaire et idéologique du docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba de reste mémoire, échaudé par la culture de la transhumance et de la trahison qui caractérise certains acteurs politiques, en ferve qui n'hésite pas à se régner pour assoupir l'air boulimie nombriliste de pouvoir, mobilisé autour de l'intérêt suprême du peuple congolais qui réside par ce temps électoral dans la nécessité de la reconduction du chef de l'État à la tête du pays, tout en renforçant son autorité par une majorité cohérente et homogène dans toutes les assemblées délibérantes du pays. Respective au travail de titan abattu par le secrétaire général du parti, le très respectable et respecté Augustin Kabuya, et son équipe qui n'hésite pas de donner la chance aux jeunes à chaque occasion, encouragé par son Excellence le Président de la République en personne, au cours de son allocution du 30 novembre 2022, face aux représentants de la jeunesse réunis au Palais du Peuple, à n'être pas seulement électeur, mais aussi et surtout candidat à tous les niveaux. Convaincu que le renouvellement de la classe politique, appelé de tous ses voeux par le chef de l'État, passe inexorablement par la conscientisation de 60% de l'électorat congolais essentiellement constitué de jeunes. Ayant suffisamment affûté nos armes dans les milieux associatifs de jeunes, majoritairement acquis au discours du changement qualificatif et quantificatif, ainsi qu'à la volonté politique manifeste du président de la République, cultivant au quotidien
une loyauté sincère et justifiée envers l'autorité de référence du parti. 1. Réitérons notre soutien naturel et indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'élan irréversible d'amélioration soutenue des conditions de vie de la population, notamment à travers les réalisations emblématiques suivantes. A. Dans le secteur de l'éducation, la gratuité de l'enseignement de base, la mécanisation accélérée de nouvelles unités, l'allocation, de fin de carrière et des pensions de retraite pour les enseignants éligibles à la retraite. La majoration graduellement de l'enveloppe salariale des enseignants et de frais de fonctionnement des établissements scolaires. Dans le secteur de la sécurité, l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri en proie des terrorismes et l'agression rwandaise jusqu'au retour définitif de la paix et au recouvrement définitif de l'intégrité territoriale. La promulgation de la loi de programmation militaire endossée à un budget de plus d'un milliard de dollars exclusivement consacré à la défense du territoire national. L'amélioration de conditions de vie de militaires, pensions, dotations, rations, habitat, éducation, structure hospitalière. Dans le secteur de santé, mise en branle de la couverture de santé universelle, construction, réhabilitation et équipement des infrastructures sanitaires à travers l'ensemble du territoire national, en l'occurrence dans le cadre du projet de développement local des 145 territoires. La mécanisation à grande échelle de nouvelles unités et alignement accéléré de médecins à prime de risque. Dans les secteurs de finances publiques, l'assainissement de services, d'assiettes, la lutte impitoyable contre la corruption et le découlage de recettes. L'implémentation de la bonne gouvernance par le contrôle a priori et a posteriori de l'inspection générale de finances. La remise en selle de la Cour de comptes et d'autres mécanisations de la répression de primes économiques dans la cellule nationale de renseignement financier, CNAREF. La création de la classe moyenne juvénile à travers l'accompagnement de projets d'entrepreneuriat de jeunes et la discrimination positive en faveur des nationaux dans le domaine de la sous-traitance, conformément aux dispositions pertinentes du code minier et forestier. L'augmentation, jusqu'à 100, c'est exponentiel du budget de l'État ayant remarquablement bondi à 5 milliards de dollars en début de la mandature à plus de 16 milliards de dollars à ce jour. L'implémentation de la culture fiscale à tous les niveaux. Dans le secteur de la diplomatie, le retour en force de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations à travers la participation systématique aux sommets, conférences internationales et aux assemblées générales des Nations Unies. Les paiements de arriérés de cotisations dans les organisations internationales et régionales. L'exécution de l'Union africaine, la SADC et la CAC. L'élection de la RDC comme membre permanent au Conseil de Nation, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le renversement de la situation en faveur du Rwanda désormais, en défaveur, pardon,
du Rwanda, désormais pointé du doigt par le décideur du monde entier pour sa responsabilité dans l'agression récurrente de la RDC et le pillage systématique de ressources naturelles. Dans les secteurs de la politique générale, l'institutionnalisation de la liberté d'expression, d'association, de manifestation et d'opinion, l'abolition de délits de presse, la libération de prisonniers politiques et d'opinion, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'ouverture de l'espace démocratique. De ce qui précède, nous prenons le ferme engagement de nous approprier le processus électoral, B, de défendre par tous les moyens, y compris à travers la géante manifestation publique, la victoire prévisible du camp du président de la République au prochain scrutin. C, nous montrer dignes de la confiance de l'autorité des références de l'UDPS à travers l'honneur qu'elle daignera nous faire de piloter un recouvrement politique, un regroupement pardon, politique pouvant devenir le réceptable de suffrage de mouvements associations proches de l'UDPS. Dans le perspective de la future majorité parlementaire voulue compactée et indéboulonnable, B, mobiliser toute le couche de la communauté nationale autour de l'impérieuse nécessité d'accorder une victoire écrasante et sans appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À jamais, mais jamais entreprendre quoi que ce soit qui ne soit en osmose avec la seule stratégie électorale. Nous prenons le ferme engagement de nous approprier le processus électoral, de défendre par tous les moyens, y compris à travers des géantes manifestations politiques, la victoire prévisible du camp du président de la République au scrutin prochain. Nous montrer dignes de la confiance de l'autorité de référence, de l'UDPS, par rapport à l'honneur qu'elle daignera nous faire de piloter à un regroupement politique pouvant devenir le réceptable de suffrage du mouvement associatif de proche de l'UDPS dans la perspective de la future majorité parlementaire voulue compactée et indéboulonnable. Mobiliser de toutes les couches de la communauté nationale autour de l'impérieuse nécessité d'accorder une victoire écrasante et sans appel à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ne jamais entreprendre quoi que ce soit qui soit en osmose avec les stratégies électorales éminemment connectées au leadership de l'autorité des références du parti, à savoir celle pilotée par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya Chilumbay. Vive le réseau de mouvements associatifs de jeunes, que vive l'UDPS, que vive la République démocratique du Congo. Fête à Kinshasa le 10 avril 2023 pour le mouvement associatif
de l'UDPS Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous acclamons très très bien. Acclamons bien, acclamons bien. Mais ton petit mambo revient quand même. C'est l'étape le plus fort de cette réunion. Là, je ne sais pas si nous sommes à combien de mouvements associatifs et cercles de réflexion. La liste est circulée encore. La liste est un petit. La liste est en train de circuler. Voilà, le modérateur vient de... Ici, deux documents. On va signer sur deux documents. Donc, on va vous remettre deux documents à votre arrivée. Vous signez, vous mettez votre nom, vous mettez le nom de votre mouvement ou structure ou ASBEL. Ensuite, vous signez à la fin. Merci beaucoup. Que M. Ismaël Mboui se prépare. Il est juste à côté. On signe aussi les noms des structures. Comme on appelle la personnalité, on doit savoir les responsables. Merci de pouvoir applaudir M. Basthiméli. Chemini, viva! Viva! Et monsieur Tchitchi Amou se prépare. Monsieur Tchitchi Amou. De JCA. Ismaël Mboui. Merci beaucoup. Monsieur Mwamba. Jean-Rémy. Merci beaucoup. Après M. Henri et M. Stallone, autour de M. Nzimba Mpiana. Malheureusement, c'est écrit, monsieur. Madame Nzimba Mpiana, présidente. Mais Madame Nzimba Mpiana. Chantal, merci beaucoup pour la correction. Présidente de la cause. AFECOSE. Merci beaucoup. Mais c'est lui qui n'est pas journaliste, c'est un fan d'un autre. Mais c'est quand tout. Tu le gelou. Ndakisa. Que monsieur Rudolf Mayombo se prépare. C'est l'accès UDPS. UDPS viva. UDPS viva. Non. Après M. Rudolf Mayombo, nous allons entamer la liste de personnalités que M. Moubenga Alain, PCA de la Ligue des Jeunes, se prépare également. Et le président, levez-vous, cher président, cher leader. Voilà. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez, s'il vous plaît. À votre tour, on va aussi vous applaudir. Merci beaucoup. Merci d'avoir apporté. Déclaration politique des mouvements associatifs des jeunes de l'UDPS. En marge de la signature de memorandum que nous, jeunes de mouvements associatifs, ayant pour dénominateur commun l'appartenance indéfectible au parti politique, Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Nous avons l'insigne honneur de recourir à la sagesse éclairée de la haute autorité de référence du parti. Nous citons son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. En effet, concernant l'impératif du renouvellement de la classe politique, nous nous faisons le devoir de faire la déclaration politique suivante. 1. Le jeune de l'UDPS profite de cette solennité pour sonner définitivement les glas des querelles byzantines existant au sein du parti.
nous existons au sein du parti. Notre parti est ostensiblement entré en ordre de bataille pour redorer son blason par une victoire éclatante au prochain scrutin. 2. Étant un patrimoine national dont le rayonnement est le chef du mieux-être du peuple congolais, le bonheur du Congo reste étroitement lié au nombre de lits de l'UDPS. 3. En ces temps de combat acharné pour le renforcement des renforcement de la cohésion autour du chef de l'État en lui donnant d'une majorité, en lui dotant d'une majorité parlementaire indéboulonnable, les jeunes des mouvements associatifs n'accepteront plus le son discordant de nature à semer la dissension dans le rang des combattants. Nous saluons le leadership stratégique du secrétaire général Augustin Kabuya pour son management, la promotion de la jeunesse et le soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Prenant acte de la transhumance et de l'inconstance qui caractérise une certaine engeance de la classe politique congolaise, les jeunes, le moine Assaut prennent ces jours l'engagement des vrais en faveur du renouvellement de la classe politique en oubliant les suffrages vers la nouvelle figure issue des forces politiques qui ne peuvent jamais trahir le chef de l'État. Vive l'unité de tous ceux qui reconnaissent dans le leadership de la haute autorité de référence de l'UDPS, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vive le président de la République, Son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Que vive le leadership des mouvements associatifs de l'UDPS, nous vous remercions. Thank you.